Pensez un jour au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi. La caravane qui emmenait Joseph vers l'esclavage transportait des épices odorantes. C'est ce que nous dit la Genèse. Habituellement, il s'agissait d'une route de commerce sur laquelle on transportait les marchandises malodorantes comme la résine ou le pétrole. Pour épargner à Joseph l'inconfort que procurent ces odeurs agressives, Dieu a fourni à ses marchands une cargaison d'épices odorantes, c'est le commentaire de Rashi. Est-ce qu'il est important pour un jeune garçon, impitoyablement vendu comme esclave par ses frères envieux, que l'air soit empli de senteurs de parfums ou de l'odeur agaçante des vapeurs de résine? Les maîtres du Moussar expliquent que les décrets de Dieu sont d'une précision extrême. Une personne n'aura pas à endurer même un infime iota de plus que ce qui a été décrété pour elle. La sagesse divine avait décrété que Joseph serait esclave, et ce fut ce qui se produisit. Il n'était pas permis au plus petit inconfort dépassant le cadre strict de ce décret de se réaliser. De nombreuses choses échappent à notre compréhension. Cela ne doit pas nous empêcher de réaliser que rien n'arrive au hasard. Quelle que soit la raison de notre détresse, tout est parfaitement calculé. Aucune souffrance n'est inutile. Bonne journée. Thank you.